S'il vous plaît, si vous êtes là, signalez-vous parce que je ne vois rien. Mon compte est tellement attaqué, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous d'être là. Cynthia Gaillé, Kwaku, depuis ton bord. Sois salué. Partagez, rallongez ma bouche. Le caveau royal des Baoulés a été profané hier. Je vais vous expliquer pourquoi. Merci, on revient. Avant de commencer cette vidéo, je voulais présenter mes condoléances les plus attristées à la famille de Baba qui vient de nous quitter, Baba Cool, comme on l'appelait, qui vient de nous quitter. Et on partage tous cette douleur de la famille, de ses enfants, de sa femme. Et les Ivoiriens, on se chamaille, mais il n'y a pas le feu. Vraiment, repose en paix. Cher frère, repose en paix. Ivoiriens, Ivoiriennes, Africaines, Africains, soyez salués depuis vos bords, depuis là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, ce matin, je me mets devant vous pour que vous m'aidiez à partager ce direct. Il y a plus de 2 ans, j'ai fait une vidéo ici pour l'agression de la cour royale de Sakassou, d'où je viens. Kwadiani Sabine Kofi, depuis ton bord, sois salué. Bonjour, Maskonan, depuis ton bord. Partagez ce direct, rallongez ma bouche, invitez le peuple à Caen, les Baoulés, pour être témoin de cette vidéo. Invitez les Africains qui aiment leur coutume, qui aiment la tradition, pour rallonger ma bouche vers le pouvoir de M. Alassane Ouattara. Je ne vous aime pas, c'est vrai. Moi, je ne vous aime pas. Je vous ai toujours dit ça. Mais vous êtes le chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Vous avez certains cadres qui ne respectent rien. Et ces cadres qui ne respectent rien, Abélie Kwadio, depuis ton bord, Jacqueline Kwadio, depuis vos bords, partagez le direct invité. Vous avez nommé des cadres Baoulé, Monsieur Aoussou Kwadio Jano, qui vient d'être corrigé par le peuple Baoulé, et Monsieur Amédée Kouakou, le Seni Fofana depuis ton bord, qui a eu la chance parce que il était chez les Dida, parce que c'est là-bas qu'il était chez lui en réalité. Mais il quitte là-bas. Il n'enlève pas ce qui est devant lui, qu'il appelle bouche là, dans l'histoire des Baoulés. Aujourd'hui, ma soeur, sois saluée. Aujourd'hui, je viens devant vous, M. Alassane Ouattara, pour vous dire qu'il y a une chance. Dans notre peuple, la tête des Baoulés, le siège des Baoulés qui est le Walebo, il y a urgence. Aujourd'hui, nous sommes humiliés. Nous sommes indignés de l'agissement de certains cadres baoulés qui sont avec vous. Parfait, Ayo, sois salué. La clôture hier, la clôture protégeant la sépulture royale a été arrachée et piétinée. La tradition des Baoulés bafouillés. Le corps de la reine-mère, c'est-à-dire la maman du roi, séquestré. Les rites ancestrales bafouillés. Je peux dire bafouillés, ils ont ignoré. La famille royale humiliée. Les intérêts obscurs dévoilés. Le peuple baoulé et la population de Sakassou indignée.
la menace d'une régression aveuglée. Le préfet, votre préfet, partial. Votre préfet est partial. Vous allez continuer ça pendant combien de temps? Jean-François Dobé, depuis ton bord, à Bokanwa, sois salué. Ce que je n'ai pas vu, revenez pour que je vous salue. Partagez ce direct dans le Vébaoudé, dans la Côte d'Ivoire, pour ceux qui aiment encore la vérité, nord, sud. Ah, j'avais pas vu. Vous voyez? Si aujourd'hui, notre peuple est comme ça, ce n'est pas M. Alassane Ouattara qui est venu diviser la Côte d'Ivoire. Je ne l'aime pas, hein? Mais la division est venue de nous-mêmes. Nous qui tapons notre poitrine pour dire que nous sommes Ivoiriens, la division est venue de nous-mêmes. Parce que pour que le cafard ait la place pour rentrer dans un mur, il faudrait que le mur soit fendu. Depuis quand M. Aoussou Kouadio Jano, Amédée Kouakou, ils ont été nommés, les Baoulés n'ont plus jamais eu la paix dans nos régions. Parce que enfant de pauvre est devenu riche. Donc nous, on doit mourir. Monsieur Alassane Ouattara, Amédée Kouakou ne te disent pas la vérité. C'est des mythos, c'est des mamailleurs, ils ne te disent pas la vérité. Lui-même qui est né à Divola, il connaît quoi même du peuple des Baoulés? Il ne connaît rien. En plus, il n'est pas proche d'une cour royale. Donc, il ne connaît pas, il n'est pas noble. Donc, il ne connaît pas. Philippe Nyumé, depuis ton bord, sois salué. Depuis près de 2 ans, je parle de cette histoire de Baoulé. Vous n'êtes pas capable, l'État, de partir quand même voir, écouter les deux parties. Vous êtes pas capable. Kofi Léon Yao soit salué. Quand les Amédée Kouakou vont aller chez vous pour pouvoir vous mythomaner, ils s'en vont vous dire que le peuple Baoulé a besoin de ceci, il faut qu'on fasse ça. Quand vous leur remettez soit 20 millions, ils viennent, je vais vous citer ceux qui bouffent. Le bon ami de la reine mère qui vient de décéder, qui est un ancien gendarme, il n'a pas su économiser. Il s'appelle Empirus. Voici le premier. Deuxième personne, c'est Amédée Aoussou qui vont prendre l'argent chez vous pour dire que les Baoulés ont besoin d'argent. Il faut que tu arranges le peuple Baoulé, sinon les Baoulés sont fâchés. Les Baoulés, là, la plupart, on s'en fout de vous. Et là, il y a Aoussou Salié, Kwasi Akissi Pauline, depuis ton bord. Un Baoulé ne va jamais aller demander l'argent au gouvernement de M. Alassane Ouattara. Keke. Jamais. On n'est pas riche. On est folklore, on est villageois et on aime notre pauvreté. Parce qu'on est digne et on n'a pas besoin de l'argent de sang. On ne veut pas. Je viens vous parler, M. Alassane Ouattara, avec colère. Vous êtes le chef de l'État de ce pays. En ce moment, quand vous savez qu'il y a un problème, même si vous êtes trop déçu de tous les Africains et les Ivoiriens, il faut au moins envoyer des personnes pour prendre la vraie version. Et dites, bah, il soit salué. Parce que vous êtes d'accord avec moi que même M. Aoussou Kouadio, même s'il est cadre, si Amédée Kouakou est cadre, mais ils ne sont pas nobles. Ils connaissent papier, ils sont allés à l'école, ils vous servent. Mais il faut savoir dissocier la royauté d'un pouvoir. Le roi, notre roi, Nana Otimi Kwasi Yanvo, vit
Sa maman, qui est la reine-mère, décède. Et quand la reine-mère était là, vous savez très bien qu'un roi ne se déplace pas. Et donc, c'est la vieille, là, vous voyez, à la présidence. C'était les courses de son fils, elle faisait. Elle n'est pas reine elle-même. Et qu'est-ce que Amédée Kouakou, Aoussou Kouadio, Jeannot, Empirus, un ancien gendarme qui est le gars de la vieille, et qui encore, un faux roi qui ne devait même pas être roi, il a braqué le roi par le biais d'Amédée Kouakou qui s'appelle Ngoran Kofi, et un brigand qui a dans la cour royale du nom de Mathieu, un folklore. Si vous voyez son image, si on vous dit que c'est cette personne-là qui est en train de diminuer le peuple baoulé, vous allez pleurer. Et ce sont ces trois, ces manchés-là, c'est eux-là qui sont en train de humilier la royauté. Monsieur Alassane Ouattara, je vous invite aujourd'hui à aller prendre la vraie version. Ou alors inviter des personnes du roi Nana Otimi Kouassi en vaut. Inviter des personnes, il a des personnes autour de lui. Et inviter leur roi qu'eux viennent de créer dans leur monde de fou là. Pour comprendre la vraie version. Justin Zongo, depuis ton bord, Valentine Oufoué, Baoulé en ligne, soyez salués. Partagez mon direct, invité. Puisque je suis en direct, et quand je suis en direct, vos gars m'écoutent, je vais brosser un peu l'histoire. Comment nous sommes arrivés jusqu'à ce point? Monsieur Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a plus de 60 ethnies. Et chaque région a ses coutumes. Ceux qui ne veulent pas respecter leurs coutumes ne les respectent pas. Nous, Baoulé, on respecte beaucoup notre coutume. Et nous, le groupe a quand même entièrement, on respecte notre coutume. Et je pense que même dans le nord, là, au nord là-bas, il y a certains qui respectent encore leur tradition. Ça n'a rien à voir avec politique. Depuis je sors, je parle. Est-ce que depuis je parle de la royauté là, vous avez vu que mes camarades activistes ont relayé parce que ça ne leur regarde pas. C'est moi ma coutume, ma tradition. Il faut aller vers la royauté pour savoir la vraie version. Parce que chacun va venir tirer le pain de son côté. Chez nous et chez tous les Akans d'ailleurs, le roi, tant qu'il n'est pas mort, on ne peut pas louer un autre roi pour venir mettre là. La reine-mère qui est décédée aujourd'hui a donné son accord. Sa grande sœur vit encore. Elle a fait une vidéo il n'y a même pas longtemps. Parce que depuis sa petite sœur est décédée, elle n'a pas le droit de voir le corps de sa petite sœur, qui est le corps de sa sœur, qui est bloqué entre les mains d'un soi-disant roi de Ngoran Kofi et de Mathieu le brigand, le chef du village de Sakassou. Lui, il n'a rien à dire, c'est un suiviste. On vient lui donner au moins 2 millions. Eux, ils ont 18 millions dans leur... Les Mathieu ont 20 millions, 18 millions dans leur poche. C'est doux, soit salué. Ils sont en train de se promener. La royauté est devenue de la marchandise. Aujourd'hui, je fais la vidéo pour que le chef de l'État envoie quelqu'un pour comprendre la vraie vérité. La dame qui est décédée, qu'ils sont en train de vous faire croire qu'elle était la reine de Walembo, la reine de Baoulé, c'est faux. Elle est la mère du roi. J'ai parlé ça ici jusqu'à ce que je suis fatiguée. Aujourd'hui, je fais la vidéo. Pourquoi? Puisque les Aoussou là sont allés te mamailler. Ils ont pris l'argent pour dire que oui. Est-ce que, pour ne pas mélanger les choses, quand les Aoussou sont allés annoncer le décès de la vieille,
Vous avez entendu un baoulé répondre, venu vers vous? Ça fait honte. Quand cette femme vous a reçu dans la cour royale, est-ce qu'elle était assise sur la chaise royale? C'est une chaise fabriquée. Elle ne peut pas s'asseoir sur la chaise royale parce que ce n'est pas son tour. Et vous avez vu comment ils vous ont reçu? Vous pensez que chez les baoulés, quand on reçoit, c'est comme ça? Mais c'est parce qu'il y a problème. Là où sous sont allés t'humilier, où on t'a reçu là, c'est pas là où on devait te recevoir. Adjoa Eleni, sois saluée, ma soeur. Ils t'ont blagué. Monsieur Alassane Ouattara, ils t'ont blagué et ils continuent de te blaguer. Bon, un exemple simple. Vous êtes sûr que c'est la femme là qui est reine? Et puis pour pouvoir creuser sa tombe, ils n'ont pas pu avoir la clé du caveau familial. Ils étaient obligés d'aller profaner, casser la barrière. Les vidéos sont là, j'ai publié après sur ma page. C'est Mathieu Ngoran Kofi, Amédé Kouakou. Voici leur travail. C'est eux, ils sont allés au Canada pour louer un roi immigré comme moi. Ils ont blagué le jeune, il est venu en Côte d'Ivoire cadeau parce qu'il n'est pas roi. Être roi, c'est une lignée. Papa Ouattara, j'ai parlé de ça à cause de sa mère, t'appelles papa. J'ai parlé de ça plusieurs fois ici. Mais allez-y, essayez mon mensonge. Allez-y vers les baoulés, les peuples. Aoussou n'a rien de noble. Il connaît juste papier. Amédé Kouakou qui avait toi n'a rien de noble. C'est des gens qui sont allés naître sur les rails à Divo quelque part là-bas. Les baoulés qui vont faire plantation, café, cacao. Chez les Dida, c'est là-bas Amédé Kouakou. Mais il n'a rien de notre coutume. On ne vous dit pas la vérité, monsieur Alassane Ouattara. Essaye juste de trouver l'entourage du roi. Et vous allez régler ce problème. C'est des menteurs, c'est des mamailleurs. Le roi Kwasi Yanvou est là. C'est parce que le peuple baoulé est... En faisant ça, là où souffrent que les baoulés vous détestent davantage. Parce que quand eux, ils viennent là-bas, ils disent que c'est le président qui nous a envoyés. Quand Oussou Kouadio, eux, ils sont allés annoncer la mort... Bon, ils ont fait jusqu'à comment une reine mère, son fils ne sait même pas où est son corps. Quelle award, ma fille, soit saluée. Amani Mat, quoi Dieu, depuis ton bord. Le roi Otimi est là. Sa maman est décédée. Les gens ont séquestré le corps parce qu'ils sont allés chercher l'argent. Et pour faire l'enterrement, ils veulent aller à la présidence pour aller prendre l'argent, pour dire les baoulés disent qu'ils vont organiser funérailles là, il faut nous donner l'argent. La reine est décédée, ce n'est pas une reine. C'est la maman du roi. Le roi n'est pas décédé, le roi est là. Vous voyez, depuis que je parlais là, si vous étiez parti, au moins, dans le fond de l'histoire, il y a longtemps, ce problème serait réglé. Jusqu'à aujourd'hui, le caveau est familial, est royal. Que personne même ne sait où le caveau royal se trouve. Ces brigands sont allés forcer les portes. Ils ont cassé la porte parce qu'ils n'ont pas les clés. Et ils disent que c'est eux qui détiennent la cour royale, mais ils n'ont pas les clés. Ils étaient obligés d'aller casser pour creuser la tombe de la vieille. Chantal Cécile, sois saluée. Pour creuser la tombe de la vieille pendant que son fils est bien vivant. Monsieur Alassane Ouattara, c'est comme vous êtes vivant. Et puis votre maman est décédée. Et puis on vous cache son corps. Jusqu'à d'autres personnes. Autrui s'en va creuser sa tombe sans ton avis. Et puis ils vont l'enterrer pour dire oui, le roi est décédé, la reine est décédée, donc leur roi Pakoti qui sont allés louer au Canada pour venir là, pour le mettre.
là, comme si vraiment c'est un roi. Ils ne vous disent pas la vérité. Kiki Yeboué, depuis ton bord, soit salué. Rodolphe dit quoi, Dieu, depuis ton bord. Tous les Baoulés connaissent l'histoire. Le petit Baoulé qui ne connaît pas l'histoire, qui dit, oh, ça c'est ancien temps là, nous on ne veut pas. Ses grands-parents étaient esclaves. Donc ils ne veulent pas qu'on leur rappelle l'histoire. Monsieur Alassane Ouattara, il vous dit la vérité. Celui qui a quitté au Canada pour venir dans cette cour royale de Sakassou, c'est trois familles qui dirigent. Trois familles. Ceux qui sont présents, très très présents, c'est les Dié et les Anoubré. Dans l'ancien temps et jusqu'à maintenant, les Baoulés ont leur charte. Dans notre charte, si tu ne respectes pas, tu ne règnes plus. Israël, sois salué. Si tu ne respectes pas notre charte, parce que c'est la royauté même qui a créé, depuis la reine Pokou, cette charte est là. Et les Dié n'ont plus le droit de régner. Quand vous irez, demander, vous saurez la bonne, les bonnes raisons. Je les connais, mais pour leur dignité, je n'ai pas sorti ça ici. Pourquoi? Celui qui sont allés louer là, leur descendance là, ils ne doivent plus régner. Allez-y vers les Baoulés, ils vont vous dire. Il y a quelque chose qui s'est passé. Sur le règne de leur père et leur grand-père, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, ils n'ont plus le droit de régner. Edith Yahou soit saluée. Mais ils font semblant de ne pas savoir. Je pense que le grand frère, le frère, Honoré Dié doit savoir. Parce que lui-même, il a lorgné ça. Quand on lui a rappelé ça, il s'est retourné. Mais sur Baoulé, je ne vais pas le dire ici, dans un direct. Parce que c'est manquer de respect à mon peuple. Je ne le dirai pas. Mais ils n'ont plus le droit de régner. C'est pourquoi vous avez vu quand le roi Anoubré II, non, était décédé, qui s'appelait Kwame là, était décédé, il y a une femme qui est venue là. Elle a dit que c'est elle son tour. Et c'est la même famille là, les gars là, qui brigandent toujours le pouvoir à Sakassou, la royauté. Il faut comme des brigands, alors que c'est eux qui doivent nous montrer la bonne voie, nous les Baoulés. Mais eux, tout est la force. Hein. C'est grâce aux guerres là, pour la première fois, on a vu les fusils dans la cour royale. Parce qu'ils veulent forcément régner, alors que leur grand-père leur a pas donné l'occasion de pouvoir continuer de régner. Comprenez? Pour vous dire que c'est des mamayens, c'est des menteurs. Aujourd'hui, pour aller creuser la tombe de la reine mère, ils étaient obligés de profaner. Parce que ils ne doivent pas régner. Il y a quelque chose qui s'est passé, ils n'ont pas fini de faire les sacrifices. Donc, eux, là, ils ne peuvent plus régner. Monsieur Alassane Ouattara, je ne suis rien. Mais par ce que je dis là, rapprochez-vous des Baoulés. Rapprochez-vous parce que les Aoussou et Amédé Kouakou ont créé une gangrène entre les Baoulés et vous. Quand ils s'en vont, ils disent, tout le monde vous aime, et ils ont dit d'envoyer ça. Un Baoulé ne les a pas envoyés. Le Baoulé qui peut les envoyer, c'est le roi. Et le roi n'a rien dit. Eux-mêmes déjà, les Mathieu qui ont intronisé le roi sur la bénédiction de la reine mère qui est décédée et sa soeur, sa grande soeur vit encore. Mais allez-y demander. Sa grande soeur a fait une vidéo tout dernièrement. Allez-y demander. Elle a confirmé que c'est sous leur bénédiction là qu'ils sont rentrés dans la maison fétiche là avec leur fils.
À l'intérieur, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Mais eux, là, ils sont partis là-bas. Aujourd'hui, Mathieu, le brigand, ne reconnaît plus ça. On peut bafouiller un peuple comme ça. Mais c'est plus ils font ça, plus on vous hait. Le travail d'un chef de l'État, ce n'est pas peut-être pour régler les coutumes. Mais le peuple baoulé, tant que le peuple baoulé n'est pas stable, vous avez du pain sur la table. Parce que celui qu'ils veulent venir s'entêter pour mettre là, les baoulés ne le reconnaissent pas. Ça mettait Kouakou, Aoussou Jano, Ngoran Kofi, Mathieu et le chef du village de Sakassou. C'est eux seuls leur roi. Mais ce n'est pas le roi des Baoulés. Aujourd'hui, je suis venu vous parler. Essayez de vous rapprocher des gardiens de la tradition. Ce Mathieu-là, ce n'est même pas la peine de l'appeler parce que c'est un marmailleur. Un grand bandit, un bandit de grand chemin. Quelqu'un qui rentre dans une maison sacrée avec un roi, même pas combien de jours, parce que là où sous quoi Dieu lui a proposé l'argent, il ne reconnaît plus ce roi. Mais c'est un bandit. Mon fils Arturo, sois salué. Mais c'est un bandit de grand chemin. Et quand les autres baleux veulent sortir pour parler, il les menace. Parce qu'il a la caution, c'est ce Amédé, Mathieu, elle est Amédé Kouadio, Aoussou Kouadio, Amédé Kouadio, c'est eux qui ont envoyé les corabiers aller chicoter les gens de la cour royale, blesser d'autres, juste pour installer leur pacotille de roi ou prince, qui viennent de, non, prince seulement il est, mais il ne peut pas être roi. Ils sont allés louer le pauvre, qui était en train de chercher ses papiers au Canada. Ils l'ont envoyé à Sakassou, maintenant on ne sait pas s'il va avoir papier pour retourner. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut forcément l'introniser. Parce qu'ils ne vont pas passer par la vraie voie. Pour faire le Akuen, que tout le monde ne connaît pas. L'Akuen se fait vers 2h, 4h, 4h du matin, même peut-être c'est trop tard. Mais celui-ci-là, c'est à 9h qu'ils sont venus faire. Parce que pour faire les actuels, n'importe qui ne voit pas. Mais tous ceux qui sont quittés au marché, qui ont fait marché à Sakassou ce jour-là, ont vu leur actuel. C'est des mamailleurs, M. Alassane Ouattara. C'est des faux types. C'est des faux types. C'est des menteurs. C'est eux, ils savent vous mentir qu'on a tout le peuple derrière nous pour pouvoir, pour que... Les Baoulés te soutiennent. Non, on ne te soutient pas. Hein? Mais l'histoire est là, il faut régler. Nous, on ne te soutient pas. Monsieur Bédia, vous envoyez chez nous. Il y a des Baoulés. Quand Bédia a dit allons, ils ont dit non, on ne va pas. Parce que c'est toi-même qui nous envoyais chez Alassane là-bas. Mais aujourd'hui, beaucoup sont en train de retourner à cause de cette histoire de la royauté. Donc, moi j'ai ma coutume, parce que je te soutiens, je dois tout gâter. Mais mon frère, comment? Les têtes couronnées ne peuvent pas parler, peut-être parce que tu sais que maintenant, c'est derrière eux ils parlent. Parce que tu sais que maintenant, M. Alassane paye les chefs de village et les chefs coutumiers. Donc, ils ne vont plus au champ pour aller chercher... à manger. Ils attendent le salaire de M. Alassane Ouattara. Et c'est derrière nous autres là, on nous pousse ici pour venir parler. C'est pourquoi je dis à M. Alassane Ouattara d'aller vers la vérité. M. Aoussou Kouadio n'est pas une virgule chez les Baoulés. Ni Amédé Kouakou, ni tous ceux qui te mentent. Kofi Rodrigue Evra, sois salué. Rebecca Kouadio, depuis ton bord. Laoussou Kouadio, c'est des grands types. Mais ils ne sont pas nobles. Donc, nous, on ne les considère même pas.
Leur seule considération, c'est qu'il est grand type. Si tu t'en vas chez lui, il va te donner l'argent. Mais côté de la noblesse, Aoussoukwadjo, même moi là, si je parle, il ne peut pas parler. Il ne peut pas. Il n'est pas noble. Donc, parce qu'eux, ils sont grand type. Nous, on n'a qu'à laisser nos coutumes. Il ne faut plus va avoir de roi chez les Baoulés. Monsieur Alassane Ouattara, je propose que tu aies une seule bouche avec qui tu vas échanger. C'est mieux d'échanger avec la royauté. Les Aoussoukwadjo là, c'est les Kotiwase comme Baoulé appelle. Ils sont rien. Ils sont rien. Tu vois pas comment il parle à Aoussoukwadjo. Je m'en fous de lui. Il a son agent, il a son agent. Mais si le roi m'appelle pour dire, même sa sécurité m'appelle pour dire, hé, hey, ça, je me tais. Mais Aoussoukwadjo ne peut pas me faire taire. Pour te dire que tu es en train de chouer chez les Baoulés, c'est mieux de te rattraper maintenant là. Regarde la nomination de Kwadio Kakabe. Je n'ai pas fait une vidéo ici pour dire, même le village de sa maman là, il ne peut même pas réconcilier. À plus forte raison, les Baoulés. Pour dire la Côte d'Ivoire. On a des grands types chez nous là-bas. Là. Ces grands types, ils ont été. Quelqu'un qui va marier une femme et puis il ne peut même pas gérer son foyer là. C'est parce qu'en fait, de politique de Côte d'Ivoire, qu'on soutient certaines personnes. Donc, au moment où le vieux Bédier, tout s'est arrangé pour pouvoir couronner le roi, malheur pour les Baoulés, M. Harry Konan Bédier est décédé. Mais il reconnaît Nana Otimi en vaut. Mais combien de temps tu vas laisser? C'est Amédée Kouakou qui ont dit qu'ils vont déplacer tout le PDCI pour aller te donner. Et puis tu n'as même pas encore eu deux mots. C'est à la dot même qui chez toi pour retourner au PDCI là. Si tu es malin, bats ta campagne. Il faut avoir une seule bouche. La seule bouche avec qui tu vas échanger, c'est la tête des Baoulés, qui est le roi Nana Otimi en vous. Sinon, roi Pakoti qui est quitté au Canada, là. Moi, je ne peux pas écouter mon ami immigré. Quelqu'un qui est venu, il est en train de chercher son papier. Monsieur Aoussoukwadjo Jeannot, vu la situation de ses parents, ne savait pas qu'un jour, il va rentrer même dire bonjour à Bédier. Et puis, il dépasse ça jusqu'à il est devenu Bédier. Lui a donné le rang qu'il ne fallait pas donner. C'est pour ça, il y a un proverbe chez nous qui dit « Laisse le vent souffler pour pouvoir voir le cul du poulet. » Qui est là sous Jeannot. Amédée Kouakou, lui, son vrai, ce n'est pas quelqu'un que je connais. Mais quand tu mets ton nom dans ma bouche, c'est ton nom, j'ai dit. Parce que tout ce qui sort de la royauté, on me parle d'Amédée Kouakou, Aoussou Jeannot, Ngoran Kofi, Mathieu. Un Mathieu, je ne sais pas, il est Mathieu quoi, un vilain, un laid. Tu le vois, en tout cas, Bonou Koli ça. Vous connaissez Bonou Koli? Couteau que les vieilles prennent pour éplucher une yam dans la cuisine, là, c'est devenu foutu foutu cendre à tout prix. C'est comme ça, ce Mathieu-là, il est. Quand tu le vois, tu sens même que c'est un vrai brigand, un bandit. C'est lui qu'Aoussoukwadjo s'en va prendre l'argent. Vous tous, tenez Brahim, il faut écouter la vidéo. Hein? C'est mieux de partir discuter avec la royauté que de coûter ces cadres qui vous font croire que si vous les enlevez, les Baoulés ne seront plus avec vous. C'est faux! C'est leur nourriture, ils sont en train de chercher. Quand vous avez nommé Kakabe, je ne vous avais pas dit que lui, là, il n'est pas une virgule dans... Chez les Baoulés, je vous avais pas dit. Kakabe allait venir faire quoi? Donc, vous avez supprimé maintenant ce poste-là. Donc, les Ivoiriens sont réconciliés. Moi, ce que je vous demande, facilitez votre travail. Parce que si chez les chefs coutumiers, tout est OK, je pense que vous n'avez pas grand-chose à faire comme travail.
Au lieu de venir nommer un ministre de la réconciliation pour donner l'argent du contribuable ivoirien gratuit, alors qu'il ne va rien faire. Ce n'était pas mieux, vous allez réconcilier les têtes couronnées. Ce n'est pas mieux, vous allez aller voir M. Kwasi Nvo, pardon. Vous allez aller le voir, vous dire on n'a pas compris l'histoire. Et puis ils vont vous dire la vraie version. Et il sera couronné. Et côté Baoulé et Akan, vous allez être tranquille. Est-ce que Aoussou Kouadiola sait que pour pouvoir être roi, tu es déjà préparé au Ghana. Et c'est les Ghanéens qui viennent faire le sacrifice. Est-ce Aoussou Kouadiola connaît ça? Mais ils ont déjà fait le sacrifice du roi. Mais pourquoi maintenant, quand la Aoussou Kouadiola et les Mathieu là vont mettre leur roi immigré là, ils ne sont pas allés voir les Ghanéens pour venir faire? Ils peuvent pas. Parce qu'on ne peut pas mettre un roi sur un autre roi. Ils peuvent pas. Tout ce qu'ils vous disent là, monsieur le président, ils ne vous disent pas tout. C'est des mamailleurs. C'est des mamailleurs, c'est des menteurs. Aujourd'hui, ils viennent de profaner le caveau royal. Est-ce que c'est être digne? Ils sont humiliés, ils sont en train d'humilier les Baoulés. Et quand ils viennent, ils disent que le président dit. Qu'est-ce que M. Alassane Ouattara a à voir avec une cour royale? Jusqu'à ils sont venus te forcer la main, la vieille l'a épatée, t'as pas dit la vérité, t'as mis dans la cour où on peut inviter même, on invite Eleonore Kwame, on peut les recevoir là. C'est pas là on t'a reçu. Mais parce que la reine ne pouvait pas s'asseoir sur la chaise qu'on prend pour régner. Elle ne peut pas. Il y a une qui s'est assise dessus, elle a pris des bains. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. C'est eux, avec les députés de Sakassou là. Parce qu'elles sont en train de protéger leur pain. Si tu veux que je sois ta sœur, tu veux que je t'appelle pour qu'on parle, moi je ne suis pas assassin, je suis direct. Je suis cash. J'aime la vérité. Si tu m'appelles pour me donner l'argent, si j'ai faim, peut-être elle bouffe, mais moi, comme je me connais, je n'ai jamais eu faim pour l'instant. Je ne bouffe pas l'argent d'autrui. J'aime pas là où il y a histoire. Où il y a histoire, si ça concerne même pas les Baoulés, je m'enlève là, c'est pas mon problème. Et puis, je joue les bêtes comme si c'est rien. S'il vous plaît, évitez l'humiliation. Il faut nous éviter l'humiliation. Parce que même si on est roi, on n'est pas roi, chacun veut voir le corps de sa mère. C'est le garçon même qui enterre sa maman. Vous connaissez cette douleur-là, M. Alassane Ouattara. Un moment, vous avez dit qu'ils ont profané tombe de votre maman. Vous connaissez cette douleur-là. Un roi, sa maman est décédée. On ne sait pas où ils ont mis le corps de sa maman. Et il est là, on ne lui dit rien. La grande sœur de la reine-mère est encore là en vie. Il y a le prince Anoubré qui est là. Vous quittez derrière parce que vous êtes au pouvoir. Vous passez derrière, vous ignorez tout. Et puis demain, vous allez louer des gens de vos militants ou bien quoi là, leur porter des païkita, couronner leur tête pour aller enterrer une personne digne. Mais, réveillez-moi. Aujourd'hui, cette vidéo, Baba Tano Kwame soit salué. Je voudrais que ça parte un peu loin. Pour voir la gravité de la chose. Où certains Baoulés, pour leur ventre, pour leur politique alimentaire, sont en train de nous conduire. Souvent, les gens, ils viennent et puis ils disent, oui, ce que j'aurais appris aussi, quand ils quittent là, ils s'en vont voir M. Tenebrema ou bien Kankia ou Bieti, il leur dit, les Baoulés là,
si vous installez le roi, si vous laissez que le roi est installé, ils vont tuer les doulas. Voilà le raisonnement de certaines personnes. Baoula a fait à quelqu'un. C'est un peuple travailleur. C'est un peuple qui se suffit lui-même. Ils vont tuer les doulas comment? Pendant que dans tous les villages, il y a doulas beaucoup. Ils vont les tuer comment? Si les Baoulés tuaient et ils pouvaient tuer les matuées qui sont dans la cour en train de créer la zizanie là, c'est pas eux-mêmes qu'on allait prendre pour adorer le tam-tam parleur. Mais ils sont là, en train de foutre leur bordel. Si vraiment ces gens-là sont venus s'asseoir là pour dire que c'est leur prince qui vient de prendre, immigré comme moi là, pour être la royauté à Sakassou, c'est mieux que vous allez détruire la royauté. Et puis il ne va plus avoir la royauté. Comme ça, chacun de nous sait qu'il n'y a plus de royauté. Mais la royauté, les gens qui doivent nous protéger, c'est eux qui font le brigandage sur la cour royale à Sakassou. Quand il va avoir Palab là-bas, c'est un dieu. Quand il va avoir la malhonnêteté là-bas, c'est un dieu. Pourquoi vous faites ça? Pendant que nous, on est là, on vous respecte, on s'abaisse, on fait tout. Mais entre vous là, les gars là, si un malhonnête, il faut le dénoncer pour dire qu'on n'est pas avec toi. Pendant que vous connaissez tous l'histoire. Et dans cette cour là, vous partez pour juger les affaires, pour condamner les Baoulés. Pendant que vous-même qui êtes dedans, vous n'êtes pas correct. Moi, je ne suis pas reine, princesse et quoi. Mais c'est une vérité. Vous nous, la chatte des Baoulés disent, il faut dire toujours la vérité. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas faire l'adultère. Il ne faut pas faire ci. C'est vous là, vos aïeux qui ont écrit pour déposer. Et si tu fais telle chose, tu seras châtié. Mais c'est le châtiment là qu'on met sur les guets. Mais pourquoi vous voulez passer outre ça pour venir régner? Est-ce qu'on peut régner et gouverner les Baoulés dans le mensonge? Pour l'instant là, j'ai m'arrêter là. Parce que vraiment, quand j'ai vu le portail de la royauté piétinée, j'ai été indignée. Et on voit un con qui est en train de creuser la tombe. Et c'est même pas la royauté qui allait filmer celui qui est en train de creuser la tombe. C'est autrui qui passait comme ça, qui était choqué, qui a filmé. Vous voyez? Je vous demande pardon. Si vous voulez que les gens nous respectent, nous-mêmes, on n'a qu'à nous respecter. Parce que chez vous, là, cette famille-là, vous aimez beaucoup l'argent. Vous ne pouvez pas résister devant l'argent. À cause de l'argent, vous c'est-à-dire, vous qui quittez les Baoulés, vous oubliez le peuple et puis vous faites votre propre intérêt. Ça, ils ne sont pas d'accord. Vous, les dieux, là, vous qui devez attraper mais de l'honneur Kwame pour dire ah, l'histoire là c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça, donc voilà, mais c'est vous qui partez louer les policiers pour venir frapper votre peuple pour pouvoir mettre un aventurier et d'autres qui m'appellent, tu fais pas partie de la cour royale donc tu connais rien. Mais heureusement, mais heureusement, vous êtes la cour royale. Donc, ce que vous faites là-bas, là, tous les Baoulés sont au courant. Vous pensez que quoi? On est au courant? Et on suit cette tradition et cette coutume-là. Donc, vous-même, les gars, là, respectez la tradition, la cour royale. Respectez. Et puis, nous, le peuple, là, on va vous suivre. Respectez-la.
Votre fils là vient pour régner là. Elle est où la chaise royale? Pourquoi une des chaises royales se trouve dans la cour de M. Félix Oufo-Boigny? Pourquoi? Mais venez l'expliquer au Baoulé. Vous expliquez pas ça, mais c'est le règne qui vous préoccupe. À quel moment vous allez venir nous dire comment la cour royale, la chaise royale de Baoulé s'est trouvée en France ici? Expliquez au Baoulé. Nous, vous êtes nos rois, nos princesses, nos reines. Si votre paille tombe là, c'est nous, on doit aller chercher paille pour venir vous couvrir. Mais si c'est vous maintenant là, les nobles qui couraient derrière les potopotos, nous, on aime notre tradition. Comme moi, je viens vous parler. Je viens vous parler. Malheureusement, ce n'est pas tous les gays. Parce qu'il y en a qui sont encore dits nobles. Mais il y en a, ils oublient que ils sont nos nobles. Ils oublient. Et puis, ils veulent aller courir à la présidence. Il y a plus à moi depuis ton bord. Ils veulent aller courir à la présidence pour leur ventre et le peuple. Sinon, de nos jours, tout a changé. Tout a changé. Tu peux me convoquer. Avant, on peut être aux États-Unis, à Londres ou où. Si la cour royale te convoque, tu t'en vas. Mais aujourd'hui, là, vous êtes sûr que vous-même qui deviez faire que quand on dit qui c'est il, vous ne suivez pas ce qui est la tradition. Et puis, vous pensez que vous dites à Eleonore Kwame, tu es convoqué. Moi, il va aller m'asseoir là-bas pour chercher quoi. Mais respectez la cour royale. Nous, on va vous respecter. C'est une cour royale qui fait la course à l'argent comme ça. C'est une cour royale qui fait la course d'argent comme ça. À partir du moment même que la chaise royale s'est retrouvée quelque part ici, Oufoué n'est pas la cour royale. Comment ça se fait? Expliquez-nous, les Mathieu là, les voleurs là. Expliquez-nous. Parce que vous pensez que vous êtes dans la cour royale, donc cette cour royale vous appartient à vous seul. Non, c'est nous, on vous fait. C'est grâce à nous, vous êtes la cour royale. Votre soeur qui s'est levée, qui veut forcément que son fils soit roi là, mais parlez-lui. Elle connaît mal l'histoire ou bien? Mais pourquoi c'est chez vous là-bas là? Vous êtes trois familles qui régnaient. L'autre troisième famille, la même personne n'en parle. Si c'est toujours les guerres, dans sa gassou là, c'est vous, c'est quoi ça? Oh, mais vous aussi, on vous respecte, mais respectez-nous aussi. Aujourd'hui, le temps moderne, là, tout le monde peut dire qu'on ne reconnaît pas la royauté. Tout le monde peut dire ça. Coucou, hey, ami, quand je finis, je t'appelle. Vous voyez ce que vous faites? Vous faites honte à la cour royale. Dit que ces deux familles nobles qui sont en train de se battre, ça, oui, leur tour est terminé, c'est notre tour maintenant, alors que vous savez que votre tour là, c'est plus possible dans la cour royale. Est-ce qu'il y a des gens qui doivent retenir l'histoire plus que les nobles? Pourquoi dans l'ancien temps, les nobles ne partaient pas à l'école? Ce n'est pas pour enseigner notre histoire à leurs enfants? Comment diriger le peuple? Maintenant, si vous qui êtes là, vous dites qu'il y a le modernisme, vous avez oublié maintenant. Nous, on n'a qu'à vous suivre. Mais vous êtes roi à quel titre? Si vous ne respectez même pas votre peuple, vous êtes roi à quel titre? Et puis nous, on doit vous suivre. Parce qu'en disant que vous pouvez régner encore, c'est de la malhonnêteté. Dire qu'un dieu doit régner maintenant là, notre temps là, c'est de la malhonnêteté. Et je sais que Mathieu est aussi très malhonnête, mais lui n'est rien. Lui n'est pas roi, il n'est pas prince, il n'est rien du tout. Il est juste le gardien de la tradition, qu'il ne respecte pas d'ailleurs. Docteur Lemimi, sois salué.
Vous voyez, Nadre Bayen. Donc aujourd'hui, je voulais que vous rallongiez ma bouche vers la présidence de la Côte d'Ivoire pour leur dire que la royauté est dissociée de la présidence. C'est vrai. Mais il y a longtemps, cette histoire est en train de durer. Et les gens, ils viennent pour dire que oui, comme Nana Otimi dit que lui, il ne fait pas la politique. Nous, on va te nommer roi. Lui, tout ce que tu vas dire là, il va accepter. Mais lui seul et puis sa famille, ils vont accepter. Mais les Baoulés, leur roi là, c'est Nana Otimi. C'est lui qui va parler et puis on va écouter. Sinon, le reste, on n'écoute pas. Aïe. Quand M. Henri Konan-Bédier quittait votre alliance là, les câblants d'un camp, Aoussou Kouadio, Achi Patrick, ils sont restés là-bas pour vous promettre qu'ils vont venir et tout le BDCI. Ils ont pu. Est-ce qu'ils ont cœur? Ils peuvent pas. Mais, monsieur le président, toi, tu es comment? Et puis, eux, ils sont là te mentir tous les jours. Tu es comment? Des gens qui disent que le peuple t'aime, mais pour gagner une élection, vous êtes obligé de faire. Et puis dans ta tête, toi-même, tu sais que tu as triché. Ça, c'est pour déposer des yeux. Toi-même, dans ta tête, là, tu es là, tu sais que personne ne t'aime. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Puisque tu sais qu'on ne t'aime pas, de toute façon, on ne m'aime pas. Je m'en fous. J'ai fait mes combines, je vais toujours gagner. Mais est-ce que tu es en harmonie avec toi-même? Les gens qui ne disent pas la vérité, c'est des menteurs. Si les gens n'étaient pas menteurs, à Yopougola, Bitogo allait gagner haut les mains. Jusqu'à il était obligé de porter jupe de Bajorette aller danser. Donc, franchement, les cadres d'école. Il revient pour te dire, lui-là n'est pas roi, lui-là n'est pas roi. Oh, ces mêmes cadres-là, avec M. Charles Konan Bani, ils sont allés faire allégeance au roi qui est là. Aoussou Kouadio provoque les Baoulés. Quand le prince Anoubré sort, il parle, Aoussou Kouadio passe nuitamment à les demander pardon. Mais il ne vient pas vous redire que non, j'ai gaffé. Hein. Quand il parle fort en journée, la nuit, il s'en va demander pardon. Moi, je veux que ce soit public. Comme façon, il est garçon. Comme façon, il pense qu'il est garçon. Et puis, il parle fort là. Quand il s'en va demander pardon, il est petit comme ça. Vous allez monter, vous allez descendre. Comme la vie de l'être humain, c'est le bon Dieu qui détient ça. Mais sinon, vous allez monter, vous allez descendre. Le roi des Baoulés, là, c'est Nana Otimi Michel. Il n'y a pas de roi. Donc, je suis venu vous parler. J'espère que ma bouche, là, je n'ai pas sorti pipi dedans. Vous avez compris ce que je vous ai dit. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Si vous avez compris, c'est ça. Vous n'avez pas aussi compris, je t'ai dit. Voilà. Donc, Aoussou Kouadio et les autres là, ils ne te disent pas la vérité. C'est des mamailleurs. Tu as les mamailleurs partout, monsieur Alassane Ouattara. Chez les pasteurs, tu as ton plus grand mamailleur, il est là-bas. Je ne sais pas pourquoi dans ce gouvernement, il faut être malhonnête pour pouvoir intégrer ce gouvernement. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui nous échappe. Donc, sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le sud. Monsieur le Président, on ne vous dit pas tout. Voilà. Quand tes compagnons ne te disent pas la vérité, mieux vaut payer les ennemis pour te la dire. C'est sur ça que je m'arrête. Sinon, personne n'a quelque chose contre vous. Juste que ce que les gens ils font là, ils sont malhonnêtes. Voilà. Ils savent que vous ne connaissez pas notre coutume, donc ils profitent. Ah, mais Yako, vraiment,
J'ai pas envie de vous laisser. Hein? Je vous